Côte d'Ivoire. Abidjan Cocody, le lundi 24 juin 2024, s'est tenue l'ouverture de l'atelier bilan de la deuxième phase du projet d'appui à la mise en place d'informations géographiques PANFIN 2 de l'OAPI en Côte d'Ivoire. L'objectif de cet atelier est de faire le bilan des activités du PANFIN 2 en Côte d'Ivoire et de planifier les perspectives d'action. Comme résultat attendu, les acteurs des IGP Atchéké des Lagunes et Pagne-Baoulé sont sensibilisés à l'auto-appropriation et à la bonne gestion de leurs labels respectifs. Au cours de cet atelier, les bilans des diverses activités, la sensibilisation des acteurs et les recommandations aux parties prenantes seront présentées successivement par l'OIPI et les experts nationaux du projet. C'est sur ces mots d'espoir que je voudrais clore mon propos en déclarant ouvert au nom du docteur Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, l'atelier bilan de la phase 2 du projet d'appui à la mise en place des indications géographiques. Je vous remercie. Voilà, je suis Jean Vondor, je suis examinateur à la direction des marques et autres signes distinctifs de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Je suis ici à Abidjan pour représenter le directeur général empêché qui est actuellement à Dakar pour des raisons de propriété industrielle. Voilà, l'objet de ma présence ici est pour faire un bilan sur l'accompagnement des produits qui ont été érigés en indication géographique, devenus protégés. Et ça, c'est dû à la spécificité des 10 produits qui, s'ils sont reproduits ailleurs, n'auront pas les mêmes caractéristiques. C'est l'objet de ma présence ici. Donc, la promotion, la valorisation des 10 produits. Les attentes, c'est de voir les producteurs. Les producteurs, c'est de voir leur niveau de vie changer. C'est-à-dire que la tiéké des lagunes, que le pain baoulé contribue efficacement à leur épanouissement et à la fin, au développement économique de la République de Côte d'Ivoire et même voire de l'Afrique en général. Parce que le pain baoulé, l'attiqué des lagunes, c'est certainement consommé dans d'autres produits, dans d'autres pays, pardon. C'est certainement consommé dans d'autres produits, dans d'autres pays, dans d'autres continents. Il serait même bon, tel que le représentant du ministre l'a dit tout à l'heure, que l'attiqué des lagunes soit protégé à l'international. Si je prends le cas du poivre de Penja, le poivre de Penja au jour d'aujourd'hui est protégé en Union européenne. La valeur de la tiéké des lagunes aujourd'hui, la valeur du pain baoulé, que dans un an, dans deux ans, dans dix ans, dans vingt ans, la protection d'une indication géographique étant pérenne, il n'y a pas de limite dans le temps, si ce produit garde les mêmes caractéristiques, que les producteurs soient les principaux bénéficiaires et qu'on ressente les changements dans leur niveau de vie. Je suis Madame Koulibaly Sokona, chargée de mission Agriculture Biodiversité à l'Agence française de développement d'Abidjan. Ce matin, nous sommes à un atelier bilan du PANFIN 2 qui permettra à tous les acteurs de la valorisation des IG de pouvoir échanger sur tout ce qu'ils ont eu à faire depuis 2018 jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, c'est deux IG protégés qu'on a maintenant en Côte d'Ivoire, à savoir la Tiéké des Lagunes et le Pagne Baoulé. Et cet appui a été fait par l'Agence française de développement qui, depuis 2008, soutient l'OAPI pour pouvoir développer et valoriser tout ce qui est produits culturels et locaux des régions africaines. Donc aujourd'hui, c'est 9 IG protégés qu'on a et 72 IG en attente qui sont dans le portefeuille de l'OAPI et qu'on doit valoriser. Nous sommes très satisfaits des résultats actuels. Et nous espérons pouvoir poursuivre cela, surtout valoriser ces produits-là, aussi bien nationalement qu'à l'international, de sorte à pouvoir faire bénéficier les principaux artisans de ces retombées financières. Je suis Dr Paul Assandé, directeur général de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. La première phase a consisté à labelliser 3 produits dans l'espace OAPI. Et donc la Côte d'Ivoire n'a pas pu avoir de produits éligibles durant la première phase du pumping. Et nous avons bénéficié de 2 produits, l'accompagnement de l'AFD de l'OAPI sur 2 produits, la Tiéké des Lagunes et le Pagne Baoulé, qui ont été labellisés. Et aujourd'hui, nous sommes là avec les acteurs de toutes les chaînes de valeur
faire le bilan de la mise en œuvre du projet, identifier les points de blocage, les obstacles, les acquis, mais surtout, nous projeter sur la consolidation et la promotion de ces labels-là, de telle sorte que dans 2 ans, dans 3 ans, on puisse évaluer et se rendre compte que la labellisation a apporté beaucoup de choses au niveau des conditions de vie des artisans pour le palm baoulé, des productrices pour la tchéquée. Monsieur le docteur Malin Michel, conseiller technique du ministre du Commerce et de l'Industrie. Mais les attentes vis-à-vis de cet atelier, comme on l'a dit, c'est que les acteurs s'approprient, n'est-ce pas, les labels, n'est-ce pas, qu'on a obtenus pour nos différents produits. Et puis, qu'ils en fassent vraiment un sien pour qu'on puisse valoriser nos produits et tirer le meilleur profit, n'est-ce pas, pour tous les acteurs. Et surtout aussi pour l'économie nationale. Mais la perspective, c'est qu'on valorise ces labels. Voilà. Et comme on l'a dit, à compter d'aujourd'hui, par exemple, le nom Atcheke ne peut pas être utilisé hors de la Côte d'Ivoire. Donc il faudrait que nous, n'est-ce pas, Ivoiriens, nous puissions, n'est-ce pas, produire ce produit-là et le vendre sous le label Atcheke. Il faut que notre Atcheke qui est vendu aujourd'hui, peut-être à près de 500 francs ou 1000 francs le kilo, je ne sais pas exactement, mais qu'on puisse le vendre, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire ou hors de la Côte d'Ivoire, à des prix meilleurs, n'est-ce pas, pour les fabricants d'Atcheke. Et c'est la chaîne de valeur, n'est-ce pas, qui en profiterait, n'est-ce pas, les planteurs de manioc, hein, les transformateurs, les commerçants,